Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine sur Radio Pluriel Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel Info. Nous sommes heureux d'être suivis avec un grand nombre d'auditeurs et auditrices de l'autre côté de la mer, notamment au Maroc, notamment dans les pays du Maghreb, suite à cette initiative citoyenne qui est dédiée à ce volet religieux, cette boîte à idées de volet religieux, notamment l'islam de ou en France. Il est temps que l'opinion publique comprend les tenants et les aboutissants de ce dossier, car ça devient un dossier qui est sur la place publique. Il est temps que le citoyen lambda comprend les tenants, les aboutissants de ce dossier. Et notre objectif de cet éclairage, c'est d'éviter l'amalgame et aussi de permettre aux uns, aux autres, d'assumer leur responsabilité, qui est une responsabilité historique, parce qu'il y a des morts, il y a des victimes, il y a des orphelins, il y a des veuves, et notre responsabilité tous, autant que citoyens français, et aussi maghrébin, et notamment le cas pour nous, marocains, et l'émission Arc-en-Ciel a pris sa charge, sa responsabilité d'éclairage, coûte que ça coûte, parce que c'est un devoir, et un devoir citoyen. Mesdames et messieurs, l'heure est grave, et Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, il est à l'heure de l'islam en et de France, sans tabou. Et dans le cadre de la continuité de notre démarche d'éclairage sur l'état des lieux de l'islam en France et de France, nous sommes très heureux ce jour d'avoir un éclairage d'un professionnel, un éclairage d'un homme qui connaît ce dossier d'une manière très fine, et n'est que notre invité. Et nous tenons à le remercier par avance au nom de l'émission Arc-en-Ciel, mais aussi au nom de Radio Pluriel, Monsieur le Préfet, Monsieur Didier Lesky. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Avant tout, j'aimerais bien que je présente monsieur le préfet Lesky à notre auditoire. Il s'agit d'un homme qui est riche, a une grande expérience de terrain, spécialiste reconnu de la laïcité et des cultes. Vous êtes préfet délégué pour l'égalité des chances en Seine-Saint-Denis. Et vous êtes un ancien conseiller de M. Jean-Pierre Chevènement au ministère de l'Intérieur, mais aussi chef du bureau central des cultes. Une fonction qui a fait de vous l'un des meilleurs observateurs institutionnels du développement de la deuxième religion de l'Hexagone depuis la fin des années 1990. Ma première question, si vous le permettez, M. le Préfet, pouvez-vous nous donner une idée sur les difficultés inhérentes à ce dossier, rencontrées au quotidien, ou presque, et comment pouvez-vous expliquer que la République, depuis qu'elle s'est saisie de ce dossier, n'a jamais réussi à en faire un succès éclatant, comme c'est le cas dans d'autres situations, notamment sur les nombreuses causes internes qui freinent le nécessaire travail de réflexion et d'organisation de l'islam en et de France? Écoutez, je vais essayer de répondre à votre question qui est en réalité complexe. On est actuellement, du point de vue des fidèles musulmans en France, dans une situation un peu paradoxale, puisque sur le plan matériel concret, la situation des fidèles musulmans n'a cessé de s'améliorer ces 10-15 dernières années, grâce en partie à l'action des pouvoirs publics. C'est l'ouverture de nombreuses salles de prière ou mosquées ces dernières années. On est aujourd'hui aux alentours de 3000 lieux de culte musulmans en France. On était à 1500 à la fin des années 90. Donc on voit la progression. On pourrait rajouter la création des aumôneries, en particulier la création d'une aumônerie militaire pour accompagner les citoyens français musulmans dans les opérations extérieures, comme le sont les militaires d'autres confessions. Il y a d'autres aumôneries qui ont été augmentées. On a le développement des carrés, des regroupements confessionnels musulmans dans les cimetières. Donc on a une amélioration
matériel. Mais ce qu'on n'arrive pas à faire aboutir, je dirais, c'est d'abord de stabiliser une représentation institutionnelle des musulmans de France, parce que notre régime juridique de laïcité publique nécessite pour les pouvoirs publics d'avoir un interlocuteur un peu stable, comme il y a la conférence des évêques de France, le consistoire israélite ou la fédération protestante. En ce sens-là, ça, nous n'y arrivons pas. Et la deuxième chose que nous n'arrivons pas à faire aboutir, mais où l'État est en partie impuissant, c'est de mettre en place ici une formation, je dirais, théologique de qualité pour les imams, et en particulier pour les jeunes qui aspirent à mieux connaître leur religion et qui essayent de se tourner vers des autorités et qui parfois veulent faire de leur religion une profession dans le cadre de l'imamat. Et ça, c'est les deux problèmes. Alors, en ce qui concerne la représentation institutionnelle, le problème majeur que nous avons, c'est la difficulté pour les responsables associatifs musulmans de dépasser leurs querelles liées à leurs origines nationales. Dit de manière très concrète, je dirais que les bisbilles entre Marocains, Algériens, un peu Tunisiens, parfois Turcs, hein, handicapent la possibilité d'un travail en commun. Et on a des situations qui perdurent de blocage, qui sont liées à des affrontements de pouvoir, où l'administration, même d'un point de vue extérieur, se demande où est la religion, où est l'intérêt des fidèles. Et puis en ce qui concerne les imams, on a là aussi une situation qui n'est pas normale. Il existe en fait en France un statut social des ministres du culte avec une caisse de retraite, une caisse de sécurité sociale qui s'appelle la CAVIMAC. Et les imams cotisent très peu à la CAVIMAC parce que les associations, d'une certaine manière, préfèrent les maintenir dans une situation de dépendance en les payant au noir et en ne s'occupant pas vraiment de leur statut social, c'est-à-dire de leur protection sociale. Et en ce qui concerne la formation, on est obligé amèrement de constater que la dernière initiative du Conseil français du culte musulman, puisque c'est ce conseil qui est censé représenter les fidèles musulmans, de mettre en place une charte de l'imam, c'est de nouveau heurté à des affrontements qui pour l'administration sont incompréhensibles, là encore, entre fédérations qui sont constituées en fonction des origines nationales. Voilà un peu la situation. Justement, monsieur le préfet, parce que je viens de constater, c'est pour la première fois, pour ma part, de constater qu'il y a un réel conflit entre les pays d'origine, les communautés des musulmans qui existent ici, entre leurs pays d'origine, marocains, comme vous l'avez bien cité, algériens, tunisiens, peu tunisiens, mais aussi turcs. Et aussi, il y a l'élément que vous avez évoqué, l'élément financement. Ça, c'est aussi c'est un élément majeur. Et ça me permet d'introduire un petit peu la deuxième question qui est un petit peu en relation par rapport à votre constat à vous, selon vos écrits, monsieur le préfet, parce que c'est très important d'avoir une référence intellectuelle, mais aussi une référence pragmatique de terrain comme la vôtre, afin que l'opinion publique puisse comprendre les enjeux qui sont réels. Et s'il veut forger l'opinion publique un jugement sur le musulman lambda dans la rue ou au travail, il faut qu'il comprenne, il est victime aussi. Venu une fois affirmer, monsieur le préfet, que les musulmans en France ne sont pas représentés à la hauteur de la dignité de leur foi. Oui, oui, j'ai écrit ça, je l'ai dit. Je crois que c'est un triste constat, si vous voulez, parce que ce sont les fidèles musulmans, ceux qui vont dans les mosquées, qui ont été, par exemple, les principaux financeurs de la construction des lieux de culte. Hein, ce sont eux qui ont très souvent des familles qui ont sacrifié une partie de leur quotidien pour pouvoir aider ces entrepreneurs qui ont bâti ces lieux de culte. Et en même temps, on voit bien que ces responsables à qui ces fidèles ont délégué leur conscience ne sont pas à la hauteur de l'engagement de ces fidèles et que, par exemple, les questions financières l'emportent sur l'intérêt collectif. Je ne prendrai qu'un exemple, mais il est connu, c'est celui du marché du halal. Hein. Justement, vous savez que l'État a délégué à trois grandes mosquées la possibilité de désigner des sacrificateurs en ce qui concerne le marché de la viande carnée. Et très longtemps, on a espéré que
ce qui génère quand même un certain nombre de bénéfices puissent être utilisés en partie, hein, je crois que tout le monde a le droit de gagner sa vie, mais en partie aussi pour améliorer, par exemple, la situation immobilière d'un certain nombre de mosquées qui auraient besoin d'un entretien régulier, etc. Et on n'y arrive pas. De même, on n'arrive pas à orienter une partie de ces financements pour la formation des cadres culturels, pour leur prise en charge, leur protection sociale. Le seul endroit où ça existe, c'est-à-dire où, par exemple, ce que rapporte l'Allah est organisé à l'organisation du culte, c'est à La Réunion, hein, où on a un groupement d'intérêt économique, hein, qui est un conseil régional du culte musulman qui déclare les imams à la caisse de retraite et qui utilise les fonds en partie pour améliorer la situation collective des fidèles. Mais en France métropolitaine, nous n'y arrivons pas et nous sommes dans une situation qui fait que beaucoup de gens regardent ça, beaucoup de ceux qui vont dans les mosquées regardent ça et se demandent, ils s'interrogent en disant mais pourquoi ce que d'autres cultes, et en particulier le consistoire extra-élite, arrivent à faire, pourquoi nous n'arrivons pas à le faire. Justement, monsieur le préfet, parce que si j'ai bien compris, il s'agit d'un aveu d'échec quand même. Mais il ne faut pas oublier, nous sommes dans un état de droit, nous sommes en France, et il n'y a personne qui peut imposer sa loi ou sa volonté ou sa vérité à lui sur le territoire français. Donc la question qui est là, donc on est dans un cadre d'un problème de souveraineté. C'est un petit peu le mot est trop fort, mais il y a un problème de souveraineté quelque part par rapport à la gestion de ces mosquées qui... Tout le monde le dit, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Parce que ce qu'on voit actuellement, les jeunes qui dérapent, les jeunes qui prennent un autre chemin, des familles qui ne vont plus à la mosquée et qui sont un petit peu désabusées, ils le disent, nous sommes désabusés par des gens qui sont là et qui en profitent, qui s'enrichissent. Et c'est tout. Oui, je crois que c'est un des problèmes. Je pense qu'il y a une responsabilité de ces responsables, justement, dans le fait que des jeunes se détournent d'eux et même ont le sentiment qu'ils ont affaire à la tête d'un certain nombre de mosquées, de responsables qui vivent plus de l'islam que pour l'islam. Or, justement, il y a une générosité, en particulier de la jeunesse, qui est normale, et une aspiration peut-être à de la spiritualité, et du coup, se détournant de ces responsables parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir affaire à des hommes que sont essentiellement des hommes qui sont mus par une générosité et par simplement le fait de faire vivre leur foi, eh bien, ils se tournent vers des choses qui sont terribles. Hein, et c'est un des aspects, je crois, qui explique le développement du salafisme, hein, en particulier en France. Il n'y a pas simplement le fait que l'Arabie Saoudite envoie des brochures ou finance des choses. Il y a aussi le fait que les responsables musulmans n'arrivent pas à avoir une légitimité du fait en partie de leur comportement, hein, qui puisse empêcher les dérives ou qui leur permettrait d'être pour le moins un point de référence pour arriver à contrebalancer des discours négatifs. C'est une histoire de référence. C'est une histoire que monsieur l'exemple, madame l'exemple, c'est ça qui est réellement, qui se passe actuellement dans les cités, dans les rues, chez les musulmans, ils le disent à qui on s'adresse. Ma troisième question, si vous le permettez, monsieur le préfet, parce que comme vous le savez, il y a un temps bien précis, il y a monsieur Godard qui passera derrière vous, il y a aussi... Ah ben, voilà. C'est aussi un grand spécialiste, Bernard. Alors, monsieur Godard qui va passer après vous, il y a aussi monsieur Karim Ifrak, notre franco-marocain, un talent républicain qui peut faire beaucoup de choses sur l'évolution de débat dans ce dossier. Mais aussi, à la fin, il y a un homme de terrain, comme vous l'êtes, n'est que monsieur Abdelatif l'MC Buck, qui va parler, qui nous accompagne dans ces émissions pour parler de cette réalité qui est parfois malheureuse, mais nous souhaitons, à travers ce débat, à travers des personnalités influentes qui ont leur mot à dire, que le débat avance et nous sommes ouverts à tout échange contradictoire avec qui le souhaite. Donc, ma troisième question, si vous le permettez, monsieur le préfet, vous avez intitulé votre livre « Misère de l'islam de France ». De France, oui. Une expression qui semble ne pas être du goût de tous. Qu'abrite-t-il donc en filigrane de si important au point de partager l'opinion publique, voire internationale? Alors,
je comprends pas très bien pourquoi utiliser le terme de France suscite des interrogations. C'est justement le de France, justement pour expliquer que l'islam n'est pas ou n'est plus quelque chose d'extérieur à la France, mais bien une réalité tout à fait française. Donc on parle d'église de France, pour parler d'église catholique, et on pense qu'on doit parler d'islam de France. Et du reste, quand on utilisait le terme « en », hein, l'islam en France, ça donnait le sentiment que c'est quelque chose qui venait de l'extérieur. Or, en réalité, la France a depuis très longtemps un rapport avec l'islam, je dirais même un rapport intime, hein, et c'était du reste sur la base de ce constat que quelqu'un comme Jacques Berk, le grand islamologue né en Algérie, hein, traducteur du Coran, eh bien pensait que la France pouvait être un lieu de rayonnement d'une pensée islamique, voilà. Et donc j'ai du mal à comprendre le reproche qui m'est fait sur l'utilisation du terme islam. Peut-être, monsieur le préfet, ceux qui veulent voir la vérité en face, on parle de l'islam de France, on parle des maghrébins, des franco-maghrébins ou des musulmans de France, oui. Ils disent nous sommes des Français. Donc il y a un réel débat sur le de et le en, et c'est pourquoi nous souhaitons, à travers cette émission, de montrer comme nous sommes dans un cadre de France, on n'est pas dans un cadre en France, et que la France, comme n'importe quelle communauté juive ou chrétienne, ce sont des communautés de France, et nous le sommes. Cela ne touche en aucun cas l'islam autant que religion, mais par contre, c'est nos problèmes, c'est nos difficultés et c'est nos atouts aussi. Parce qu'il y a aussi il y a des compétences, il y a aussi des gens qui peuvent accompagner l'islam de France d'une manière républicaine sans l'intrusion de qui que ce soit. Ma quatrième question, monsieur le préfet, vous avez affirmé dans votre livre que la situation de l'islam en France est pathétique. Et dans cette veine, vous pointez du doigt les gens qui le pratiquent, de dedans. Qu'entendez-vous par là? Quels sont finalement ces gens et c'est qu'il est toujours possible de changer les choses? Alors, si vous voulez, oui, je pense que la situation de l'islam des musulmans de France est pathétique parce que il y a une foi qui existe, des mosquées qui sont remplies, et puis en même temps, j'en ai déjà un peu parlé, il y a une représentation des musulmans qui n'est pas à la hauteur de cette foi. Mais elle est rendue d'autant plus pathétique que je dirais, il y a peu de gens qui réussissent socialement, hein, puisqu'il y a beaucoup de personnes d'origine maghrébine, français, ou qui ont encore qui ont la nationalité des pays du Maghreb, qui sont dans une réussite, dans une ascension sociale, et qui en même temps s'occupent des affaires religieuses. Et ils laissent les affaires religieuses, la question de l'organisation du culte, hein, à des personnes qui, à mon sens, n'arrive pas à être à la hauteur des enjeux. Et je crois que dans les années qui viennent, ce qui est important, à mon sens, c'est que les élites sociales qui existent, hein, se manifestent beaucoup plus et s'investissent beaucoup plus dans l'organisation du culte musulman. Et je crois que c'est important, et c'est aussi important de ne pas laisser la parole à ceux qui disent représenter des musulmans ou l'islam et qui soit n'ont pas les compétences en réalité, soit ne sont pas eux-mêmes croyants. Je crois que c'est aussi un des autres problèmes, qui est un problème qui renvoie à ce que font les journalistes, les médias. Très souvent, on donne la parole à des personnes dont on dit qu'elles sont des représentants des musulmans, mais que personne ne voit jamais à la mosquée. Je crois qu'on doit, dans ce débat sur l'organisation du culte, hein, dire que les musulmans, c'est ceux qui vont à la mosquée et qui croient. Voilà. Vous êtes en train, monsieur le préfet, de parler des paroles de prophète. À quel point il le dit, toute personne qui se rend à la mosquée, il faut témoigner pour lui sa foi réelle vis-à-vis de l'islam. Donc c'est ça, c'est le fond, il est là. C'est que simplement, comme vous l'avez bien cité, il y a des gens qui sont parfois parachutés pour des raisons diverses. Hein, donc tout le monde connaît un petit peu ce qui se passe. Mais
La situation actuelle, c'est l'échec total. C'est la paix sociale qui est en jeu. C'est des familles qui meurent. C'est des soldats. C'est un plan Vigipirate qui coûte cher à la République. C'est une image des musulmans qui commence à prendre un coup dur. Et ça aussi, on ne parle pas d'une dizaine ou une vingtaine ou j'en sais rien, mais là, on parle de 6 millions, voire plus, de musulmans qui vivent en France. La gravité de l'affaire, elle est là, monsieur le préfet. La gravité de l'affaire, elle est aussi liée au fait qu'il y a, un soleil noir, une force négative qui arrive à attirer malheureusement de jeunes Français vers des formes de suicide. Et je pense que c'est un enjeu pour tout le monde, une responsabilité de tous, et pas simplement des pouvoirs publics, mais des responsables associatifs, de ceux qui vont à la mosquée, de faire en sorte que ces jeunes ne se perdent pas. Voilà, et ils se perdent en même temps parce que ils sont en recherche de foi. Je crois que ce serait une erreur de penser que leur trajectoire n'est pas liée à une recherche spirituelle ou religieuse. C'est une recherche spirituelle et religieuse qui est dévoyée parce que ils n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un ou des institutions qui puissent les aider au moment où ils sont eux-mêmes en recherche. Et je pense que les premiers qui peuvent les aider, c'est ceux qui sont à l'intérieur de la révélation. Ça ne peut pas être l'administration. Alors, l'administration peut avoir son rôle, mais je crois que c'est d'abord un problème d'autorité et même de se comporter en bon père, au sens général du terme, pour faire en sorte que ces jeunes... Et de communication aussi, monsieur le préfet, et de communication interne, parce que nous sommes très écoutés par la communauté maghrébine, vous le savez, c'est une radio plurielle, et on s'adresse à la communauté maghrébine, et notamment marocaine. Il y a beaucoup de qui est maghrébin, et surtout marocain. Tout le monde écoute, et certainement, l'influence est de taille. Quand il y a un débat, quand il y a un éclairage comme on est en train de le faire, ça permettra aussi que le jeune doit forger son point de vue et peut être immunisé contre toute tentative qui risque de poser un problème pour tout le monde. Parce que ces gens-là, ils deviennent aveugles et aveugles pour tout le monde. Ce n'est pas que pour une tranche de la population, non, pour tout le monde. Et on l'a pu constater à Nice et ailleurs. Et Mme Latifa Ben Zeitine, que vous connaissez, donc vous avez vu. Donc tout le monde est touché. Et notre situation, elle est dramatique. On se trouve dans les deux côtés. On se trouve être accusé et en même temps victime. Et ça, il n'y a rien de plus grave que ça. Bien sûr, il faut sortir de cette tenaille. Parce que c'est une tenaille pour les musulmans. Il faut en sortir. Mais pour en sortir, ça dépend, je dirais, bien sûr, de l'aide que les pouvoirs publics peuvent apporter. Mais ça dépend avant tout du ressort interne à la communauté musulmane pour être en capacité de montrer... que d'autres voies sont possibles en ayant une meilleure organisation, en prenant des problèmes à bras-le-corps, en ne laissant pas le pire s'installer. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et malheureusement, on est, je le redis, c'était le début de mon propos, dans une situation paradoxale. Parce que on voit bien que les instruments juridiques existent, que les lieux de culte s'ouvrent, et en même temps, sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur des enjeux du présent. Justement, c'est la question qu'on va essayer d'évoquer avec M. Godard, qui est un fin connaisseur de ce dossier, qui connaît bien les tenants et les aboutissants de ce dossier. Ma dernière question, M. le préfet, et ça rentre dans le cadre de la Fondation de l'Islam de France, présidée par M. le ministre Jean-Pierre Chevènement. Donc, si c'est possible d'avoir une petite présentation, ou bien le pourquoi, on a parlé un petit peu, grosso modo, dans les différentes questions, le pourquoi, mais l'objectif réel, est-ce qu'il est ouvert surtout à ces franco-maghrébins qui se trouvent sur le sol français pour être acteurs actifs par rapport à cette fondation? Parce que, je ne vous cache pas la vérité, tout le monde a suffisamment compris comme quoi le parachutage n'amène nulle part. Écoutez, la fondation de l'Islam de France, c'est vraiment un des dossiers où on voit à quel point il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'intérieur des responsables musulmans. Il existait avant, il a existé pendant 10 ans, une fondation des œuvres de l'Islam de France, qui était dans ses statuts en charge à la fois des questions culturelles et des questions religieuses. Elle a été présidée pendant 10 ans par David Boubaker. Elle a été pendant 10 ans paralysée par des conflits internes. Paralysée, c'est-à-dire au point que même le peu d'argent qu'elle avait n'a pas été
utilisé. Et le gouvernement, plusieurs fois, a demandé aux responsables musulmans, puisque le conseil d'administration était intégralement composé de responsables musulmans, d'essayer de la réactiver pour répondre aux besoins, et rien ne s'est fait. Après la vague d'attentats, le gouvernement a estimé qu'il fallait de nouveau relancer l'idée d'une fondation, mais cette fois-ci, dès lors que c'était l'État qui reprenait l'initiative, on ne pouvait pas mélanger le culturel des affaires religieuses. Donc la fondation de l'Islam de France, présidée par Jean-Pierre Chevènement, ne peut s'occuper que de sujets culturels et pas religieux. Culturels au sens où il faut présenter mieux ce qu'est la culture et sa grandeur du monde musulman. Hein, et dans le même temps, il a été demandé aux responsables musulmans, à côté de cette fondation, de créer une association culturelle, religieuse, qui s'occuperait des affaires religieuses. On a réussi à faire la fondation l'Islam de France sur le côté culturel. On n'arrive pas, parce que là, l'État ne peut pas faire, puisque ça rentrera en contradiction avec la loi de séparation des Églises et de l'État, ne peut pas faire à la place des responsables musulmans l'association culturelle. Voilà. Et je pense que c'est ça le problème. J'ajouterai la dernière chose, c'est qu'une fondation, c'est un organisme de droit privé. Et que, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les élites sociales, rien n'empêcherait des fidèles musulmans de collecter de l'argent, d'amasser une dotation et de déposer les statuts pour une fondation intégralement gérée par des Français musulmans ou par d'autres musulmans de France, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais on n'a pas ce type d'initiative. Voilà. Et si à chaque fois l'État, c'est dans une situation paradoxale, puisque la fondation est un organisme de droit privé, mais en même temps c'est l'État qui est allé démarcher les grandes entreprises pour constituer la dotation, la Caisse des dépôts, SNCF, enfin bon, voilà. Et donc on est dans une situation paradoxale. Moi, d'une certaine manière, je regrette un peu ce retour en arrière. Je pense que la première fondation, dont du reste j'avais rédigé les statuts, entre autres avec Bernard Godard, la première fondation aurait été était un bon instrument. À l'époque, et vous pourrez l'interroger, Bernard Godard m'avait dit, mais tu sais, si tu y mets, si tu donnes cela en responsabilité aux membres du Conseil français du culte musulman, tu vas avoir, la situation va être bloquée. Et je lui avais dit, non, il faut faire le pari de leur donner. Ben, le pari, je l'ai perdu, et c'est Bernard Godard qui avait raison. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à Jean-Pierre Chevènement. Alors, bien sûr, il est de bon ton de dire, ah ben oui, c'est pas normal que Jean-Pierre Chevènement préside une fondation pour l'Islam de France. Je rajoute que Bernard Cazeneuve, pendant des mois et des mois après les derniers attentats, après les premiers attentats, janvier, interrogé des responsables musulmans en leur disant, présentez-moi une personnalité musulmane qui soit consensuelle entre vous pour présider cette fondation. Il n'y a jamais eu de réponse. Il n'y a jamais eu de réponse. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Jean-Pierre Chevènement, qui est par ailleurs une personnalité, je crois, extrêmement estimée, respectée, qui connaît bien le Maghreb, qui est président de l'association d'amitié France-Algérie, dont on connaît les prises de position politiques courageuses vis-à-vis du monde arabo-musulman, en particulier en 1991, au moment de la première guerre du Golfe, au début d'une situation cataclysmique. Justement, il n'y a aucun doute sur l'autorité de M. le ministre Jean-Pierre Chevènement. On aura l'occasion de parler tout ça avec M. Godard. Et j'aimerais bien, M. le préfet, si vous l'acceptez bien, que cette évolution de débat qui va être, grosso modo, il va être allongé jusqu'à la fin du mois de Ramadan, voire même plus. Si au cas où il y a un retour de votre part ou une évolution par rapport à d'autres thèmes à développer pour enrichir le débat, vous êtes la bienvenue dans cette émission. Et je tiens à vous remercier personnellement par rapport à cette acceptation et surtout un dimanche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, monsieur le préfet. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc.
Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Arc-en-ciel, au cœur du Maroc.